Dans le fond, Arbonne, comme c'est écrit, c'est une compagnie qui prône comme ces trois valeurs-là, santé, beauté, mieux-être. Dans le fond, il y a des produits pour la peau, pour les cheveux, de nutrition, là, t'sais, comme on parlait des protéines tantôt. Puis, dans le fond, tout pour la gestion du poids, puis la digestion, puis toutes ces affaires-là. Puis aussi, tous les produits sont vegan, sans gluten, puis sans cruauté animale. Fait que c'est vraiment le fun. Fait que c'est ça pour la compagnie, c'est quoi? Puis en fait, moi, j'ai décidé de faire ça parce que ça faisait plusieurs fois que il y avait des personnes qui m'approchaient pour ça. Puis, tu sais, je disais toujours que j'avais pas le temps, puis ça me tentait pas, puis je savais pas non plus si c'était comme une arnaque, là, tu sais, les espèces d'affaires de DM me if you want to collab, là, genre. Fait que je pensais un peu que c'était ça, mais. La fille qui m'a contactée la dernière, ben, elle a su être très convaincante et m'a embarquée dans son affaire. J'ai commencé ça, puis à date, ça va full bien, puis j'aime full ça. Puis, en même temps, je vois pas beaucoup mon chum, là, fait que ça me change les idées, puis je pense moins à ça dans ce temps-là. Fait que c'est pas mal pour ça. Donc, est-ce que ça bug? Ça vient juste de bugger, là, mais t'es... je pense que c'était juste toi qui étais bugué. Parce que ça m'a dit que ma connexion était instable, genre. Fait que là, j'étais genre, fuck. Ouais, ça a bugué. Donc, je vais vous parler de mes coups de cœur Arbonne. Dans le fond, c'est pas mal tous les produits que je m'ai commandés. Mais je vais tous vous les présenter. Puis, si vous avez des questions entre chaque produit, n'hésitez pas, là, je vais répondre. Donc, on commence avec les fizz, que ça, j'en parle à tout le monde parce que c'est genre mon produit préféré, là, que ça fait 3 semaines, là, que je fais ça à Arbonne, puis ça fait 3 semaines que j'en prends à tous les jours, puis que, genre, je vois vraiment une différence, là. Comme parce que moi, j'ai commencé à prendre comme des cafés pendant le confinement avec Félix, on se faisait tout le temps des cafés glacés, puis là, on a comme trippé là-dessus, fait que là, j'ai comme continuer à prendre du café. Puis là, vu qu'il commençait à faire plus froid, je me suis dit, hey, je vais essayer le café comme chaud. Mais avant, je détestais ça parce que je trouvais ça vraiment pas bon. Puis là, c'est ça. Fait que là, j'en prenais, tu sais, juste pour rester réveillée puis pouvoir étudier plus longtemps puis tout à cause de l'école. Fait que c'est ça, mais j'aimais pas ça. Fait que là, quand les filles m'ont parlé de ça, j'étais comme, hey, c'est malade, cette affaire-là, tu sais, ça goûte bon puis ça donne l'énergie puis c'est bien moins à long terme nocif pour ton corps. Fait que c'est ça. Puis moi, ça me donne encore plus d'énergie que le café. Je sais pas si c'est le même pour tout le monde, mais dans le fond, genre, des fois, j'en prends un. Souvent, plus j'en prends un. Mais comme mettons une journée, la fin de semaine, que j'étais à la maison toute la journée, mais peut-être je vais en prendre deux parce que ça va me tenter, parce que ça goûte bon, comme si c'était du jus. Mais dans le fond, c'est vraiment facile. C'est juste comme une petite affaire de même. Ça vient dans une boîte, il y en a 30 dedans. Puis c'est juste un petit bâtonnet que tu ouvres, puis il y a genre de la poudre dedans, là, comme vous avez sûrement vu dans ma story que j'ai mis aujourd'hui, là. Puis dans le fond, tu fais juste de mettre ça dans de l'eau, tu brasses, puis tu sais, ça fait juste de l'eau colorée, puis là-dedans, tu as toute ton énergie. Puis en plus que ça donne l'énergie, moi, ça m'aide vraiment à me concentrer parce que sinon, tu sais, quand je suis trop fatiguée, on dirait que ça me tente pas d'étudier, fait que je suis toujours en train de prendre mon sel, mais ça, on dirait que je suis plus focus, puis tout, là. Puis c'est ça. Moi, j'ai essayé juste ces deux saveurs-là, pomme grenade puis fraise, puis à date, c'est mes préférés, là. Mais il y a aussi citron. Puis là, ils ont sorti pomme cannelle, mais je les ai pas encore goûtées. Fait que ça a l'air qu'ils sont vraiment bonnes, mais je les ai pas goûtées. Fait que c'est ça. Après, il y a les protéines. Caro, tu vas être contente. J'ai une question sur les fizz. Vas-y. Reviens à l'autre diapo d'avant. C'est quoi ginseng? Du gingembre. Ah. Ouais. OK. Ça goûte pas, là. C'est juste genre, ça aide à la concentration, puis ça aide au cerveau, puis tout, puis ça donne énergie. OK. Ça coûte combien, hein, les boîtes? Ouais. Pour vrai, je sais pas votre prix, mais je pense que c'est genre 56 Tabarnak. si vous êtes client privilège. Mais mettons que ça vous tenterait de goûter, là. Première commande, t'es pas trop sûr, mais ben, tu sais, Caro, t'as déjà goûté, là, mais je pourrais comme vous le commander avec mon affaire. T'sais, là, je vous le dis parce qu'on est juste nous autres, les filles. Je ferais pas ça à tout le monde, là, mais moi, dans le fond, ils m'en reviennent à 42. Fait que c'est vraiment plus abordable pour ceux que j'en prends tout le temps, là, parce que. Mais, tu sais, c'est sûr que ça reste cher
entre parenthèses, mais comme, tu sais, si tu penses, ben, je sais que, genre, vous autres, vous n'êtes pas des addicts de café, peut-être, là, mais, tu sais, ceux qui vont chercher des cafés Tim Hortons à 3$ chaque matin, mais, ben, tu sais, ça revient quand même abordable, là. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai comme changé pour de café à ça, mais j'aime vraiment plus ça, là, c'est même pas comparable. Fait que les protéines. Dans le fond, moi, j'ai pris ceux sur l'image à la vanille parce que je me disais que ça pouvait fitter dans toutes les recettes, mettons, que j'aurais voulu. Surtout, tu sais, ben, genre, légumes, j'ai pas goûté encore, mais je pense que ça pourrait peut-être faire, là, parce que, je veux dire, la vanille, c'est pas un goût tant fort que ça, là. C'est pas comme si c'était au chocolat ou de quoi de genre. Mais moi, à date, j'ai essayé avec des framboises, des mangues, puis des fruits des champs, puis je les ai toutes aimées, là, vraiment. Dans le fond, c'est full facile, là. Le matin, là, parce que moi, avant, tu sais, je me lève à 6h30 puis je pars à 7h, là. Ça ne tente pas de me lever plus tôt que ça, fait qu'il faut que ça aille vite, là. Puis avant, je mangeais des Cheerios le matin, OK? Puis je mangeais à 6h30 puis à 8h, là, mon ventre, il voulait mourir, puis je prenais genre 5 collations pendant le matin, là, tu sais. Fait que là, toute la semaine, j'ai pris ça parce que je les ai reçus dimanche. Puis, j'ai pas eu faim, là. T'sais, j'aurais pu dîner à 2h de l'après-midi, puis j'avais pas encore faim, là. T'sais, je dînais juste pour dire que je dînais, là. Mais j'ai vraiment vu une différence, surtout là-dessus, parce que j'étais tannée, là. Mon ventre, il faisait tout le temps du bruit, tout le temps, genre 2h après. Puis en même temps, t'sais, je veux dire, tout le temps prendre des petites collations, à un moment donné, c'est pas nécessairement bon pour la santé, là. Ça dépend de tes collations, là, mais c'est ça. Fait que c'est full facile, tu fais juste de prendre, ben, je sais pas si vous avez comme des machines qui brossent, là, style Ninja Ballette, là. Puis genre, tu mets de l'eau, tu mets, ben, eux autres, ils disent 2 scoops de protéines, sauf que le premier matin, j'ai pris ça, puis je trouvais que ça tu sais, la texture, il y avait encore de la poudre dedans. Fait que là, les autres matins, j'ai juste mis 1,5, puis c'était parfait. Genre, ça goûtait pas trop, puis la texture était mieux. Puis j'ai essayé aussi avec du lait, puis de l'eau, pour mélanger les protéines, puis la texture est vraiment mieux quand c'est avec de l'eau. Fait que moi, je le prends avec de l'eau, puis en plus, c'est moins gras que du lait, là. Fait que tu mets ça avec de l'eau. Là, moi, je le mélange un peu avant avec genre une cuillère, puis après ça, je mets tout le reste des fruits. Puis là, après ça, je le mélange avec la machine, là. Puis c'est déjà fait, puis ça goûte full bon, parce que la vanille, elle vient comme mettre, comme si c'était sucré, mais dans le fond, c'est des protéines, là. Fait que c'est vraiment le fun. Fait que à date, j'aime vraiment. Puis il y a plein d'autres sortes, là. Il y a le nouveau au café là, que ma mère elle a pris. Je vais écouter en fin de semaine. Là. Ça a l'air full bon. Mais tu sais, si t'aimes pas le goût du café, ben je te le conseille pas vraiment. Là. Mais c'est ça. Sinon, il y a chocolat, il y a brioche à cannelle, gâteau marbré, fraises, citrouille épicée. Il y a genre vraiment beaucoup de sortes. Là. Fait que tu sais, mettons que tu veux te faire plein de recettes avec des saveurs différentes, ben il y a plein de ça. Fait que c'est ça. Puis c'est des gros sacs, là, genre. Ça, lui, il est 1,2 kg. Fait que, tu sais, t'en as pour un méchant bout. Mais mettons que tu voudrais goûter la saveur, il vient en pack de, genre, 10 portions. Fait que, tu sais, tu peux l'essayer pendant 10 jours, mettons. T'en prends à chaque jour. Puis si t'aimes la saveur, ben tu peux te commander le gros sac après, là. Fait que c'est nice. Une question. Oh, mon Dieu, j'ai fait comme dans le cours avec Carmine. Une question. Tu sais, l'autre fois, elle disait à la fille que, genre, tu pouvais commander, puis si t'étais pas satisfait, il te remboursait. Ouais. Fait que, genre, je pouvais prendre une... Ouais. Je pourrais prendre une grosse affaire de même. Ouais. Tu pourrais l'utiliser pendant 2 semaines, puis là, t'es genre, ah, oh, finalement, j'aime pas ça. Ben, je le renvoie, parce que t'as 45 jours. Fait que, tu peux vraiment... genre, c'est un peu con, là, mais c'est ouais, ça, pareil, c'est nice, là, parce que, tu sais, je veux dire, tu pourrais quasiment prendre, en laisser un dans ta boîte, puis t'es genre, ah, finalement, j'aime pas ça, tu sais. Mais ouais, genre, c'est ça. Tu sais, parce que c'est 45 jours, mais, tu sais, c'est comme la politique, là, fait. J'ai jamais essayé de renvoyer, là, mais les filles, ils disent, c'est full simple, puis ils refusent jamais, parce que c'est comme service en clientèle un peu, là, fait que... Ben. Tu pourrais décider d'essayer, puis mettons... Pas ma cheap, là. Ouais, c'est ça. Donc, après, j'ai commandé ça aussi dans ma commande. C'est les Skin Elixir. Dans le fond, c'est le même principe que les Fizz. Oh, maman, elle veut rentrer. Dans le fond, c'est comme un petit sachet de même, là. Puis ça aussi, tu le mets dans l'eau. Lui, il goûte comme pas grand-chose. Fait que moi, je l'ai mélangé au fizz pour que... Ben, tu sais, je pourrais le prendre tout seul, mais... Tu sais,
c'est poche de genre boire de quoi qui goûte rien, mais dans le fond, l'eau, ça goûte rien. Mais en tout cas, moi, je l'ai mélangé à mon affaire. Puis ça, dans le fond, c'est que ça produit du collagène. Fait que du collagène, c'est bon pour ta peau, c'est bon pour tes cheveux, ça les fait pousser plus vite. C'est bon aussi pour tes ongles. Comme tu pourrais laisser pousser, puis ils seraient plus solides, là. Tu sais, des ongles plus en santé. Fait que, ben là, ça fait comme 2 jours que je l'utilise. Fait que je peux pas vous dire que je vois full des résultats, mais tu sais, moi, j'ai déjà les cheveux qui poussent vite d'avance. Fait je le prenais plus comme pour un effet sur ma peau et tout, là. Mais c'est ça. Fait que, à date, je le conseille. Puis tout le monde le conseille, mais comme, tu sais, ça fait pas longtemps que je l'ai utilisé, mais c'est ça. Bon, maman, elle avait pas fermé son micro. Bon, OK. Vous avez pas de questions sur lui? Non? OK. Santé cognitive. Ça, dans le fond, c'est encore le même principe que tu mets dans ton eau. Lui, il goûte le cerise et citron vert. Dans le fond, ça, tu pourrais le prendre juste lui. Mais comme moi, tantôt, cet après-midi, là, je l'ai mélangé, j'ai pris dans ma gourde, j'ai fait bâton, fizz, pomme-grenade. J'ai mis skin elixir, puis j'ai mis santé cognitive dedans, OK? Puis le goût, il était vraiment bon. Là. Je pense que je vais faire ça tous les jours. Je capotais ma vie. Là. Quand j'ai fini ma gourde, j'étais genre, oh non, fuck, j'en veux un autre. Là. Mais dans le fond, ça, ce que ça fait, c'est juste que ça donne comme tous les nutriments pour garder ton cerveau en santé. Puis t'aider surtout à ta concentration. Tu sais, des fois, il y a des jours, on a comme le cerveau mort, là, parce que tu sais, on est fatigué, puis on va à l'école tout le temps. Puis en plus, qu'on est toujours devant des écrans, puis on fait 1000 fois plus d'école qu'à l'habitude. Donc, ça, c'est vraiment nice parce qu'en plus, combiné au fizz, tu as de l'énergie puis ton cerveau, il est comme alerte toute la journée. Fait que, t'es... mettons là, qu'on s'en va en période d'examen puis on a plein d'heures d'études à faire, là, ben, c'est une bonne idée parce que tu sais que tu vas être comme concentré puis tu ne seras pas toujours tenté à aller faire d'autres choses puis tu seras moins distraite, mettons. Fait que, c'est ça. Puis en plus, j'ai essayé aujourd'hui, puis j'ai fait toutes mes cours à distance, puis ça marche full, OK? J'étais même concentrée, rendue à Bernard en électricité, là, tu sais. Fait que, c'est ça. Après ça, OK, cette crème-là, j'ai capoté ma vie. Ça, c'était, ça fait plus longtemps que j'utilise parce que c'était ma première commande de toutes. Puis, dans le fond, j'étais pas sûre au début, parce que moi, toutes les crèmes que j'avais utilisées avant, c'était toutes des crèmes comme à base d'eau, là, mettons, là. T'sais, genre gel, aqua, truc machin. Là. Mais ça, c'est pas à base d'eau. Fait que là, j'étais comme, ça va-tu être trop gras, puis tout. Mais finalement, genre, c'est vraiment parfait. Puis, comme là, je l'ai utilisé un peu, mais quand que tu le mets sur ta peau, genre, ça fait. Moi, des fois, quand j'en mettais, ça devenait tout rouge, ma peau, puis tout. Mais là, ça devient même pas rouge, c'est même pas gras, on dirait même pas que je l'ai mis. Puis en plus, l'affaire que je trippe le plus, là, c'est que moi, là, les boutons que j'ai, c'est comme des boutons de stress quand que j'ai un examen ou que j'ai des affaires qui me stressent. Puis là, avec ça, j'ai full moins de boutons parce que c'est l'herbe du tigre a fait que toutes les sources de stress, mettons, puis les effets que le stress a sur ta peau, ça les élimine, genre. Fait que ça paraît vraiment. Puis en plus, ça enlève toutes les rougeurs. Tu sais, mettons, des fois, t'as comme un bouton qui est rouge, ben là, il sera pas rouge, fait qu'il paraît moins. Fait que c'est vraiment le fun. Moi, je l'aime vraiment, vraiment. Puis là, la gamme, celle-là, c'est la Super Comb. Puis il y a 2 autres affaires. Il y a un sérum pour la peau puis un lait moussant nettoyant. Fait que, mais moi, j'ai juste pris celle-là parce que, dans le fond, j'ai comme mélangé pas mal toutes les gammes ensemble pour me faire ma gamme que je voulais pour ma peau à moi. Là. Fait que j'ai juste pris ça pour cette gamme-là. Après, j'ai pris le gel nettoyant Biohydria. Dans le fond, ça, c'est à base d'eau. Celui-là, puis tous mes nettoyants que j'avais avant, c'était à base d'eau, puis ça marchait. Fait que je me suis dit pour ça que j'allais rester là-dedans. Puis dans le fond, il fait vraiment une grosse mousse, puis il déloge vraiment toutes les bactéries, puis toutes les affaires impuretées, puis les saletés, là. Puis surtout, tu sais, comme avec le COVID, puis avec l'école, puis je sais pas, là, moi, j'aime ça, m'assurer que ma peau est propre après chaque jour d'école, là. Fait que celui-là, genre, tu le mets dans ta face, puis tu sens vraiment, tu sais, quand tu sens que t'es propre, puis ta peau est fraîche, là, ben, c'est ça que je sentais quand je l'ai essayé, fait que vraiment conseillé. Bon, après, celui-là. Lui, là, je pense que c'est lui que j'ai été le plus surpris dans tous les produits. Dans le fond, c'est un gommage, c'est comme un exfoliant. Mais moi, là, tous les exfoliants que j'avais pris avant, là, genre, des exfoliants de pharmacie de même, là,
Genre, je vais vous montrer la texture de lui. Qui est genre vraiment là, plein de petites billes, puis il fait mal, genre sur ta peau. Là, tu sais, t'as l'impression qu'il te graffine toute la peau. Fait que tu sais, tu peux pas l'utiliser souvent parce que tu deviens la peau full sec rapidement. Puis moi, ça me. Tu sais, j'étais toute la peau rouge, puis après, puis j'aimais pas ça. Mais tu sais, je l'aimais parce qu'il délogeait, mais tu peux pas l'utiliser souvent. Fait que là, moi, je m'attendais à ce que ça soit ça, mais tu sais, pour la face, fait que ça va être moins pire. Mais c'est genre un gel. Genre, je sais pas si vous voyez la différence, là, mais tu vois quasiment pas les petites affaires. Puis ça déloge plus que le gros qui fait mal. Je sais pas si vous comprenez. C'est genre, il est doux, fait que tu peux t'en servir matin, soir, puis ça enlève tous tes points noirs, t'as plus rien d'en face. Puis c'est ça, il est doux. Fait que moi, qui ai une peau sensible, j'ai trippé, là, parce que, tu sais, je peux m'en servir plus souvent, puis ça l'assèche moins et tout. Donc, je l'ai vraiment, vraiment aimé. Puis il est pour tous les types de peau, là, mais, tu sais, mettons que tu t'empêchais d'en prendre à cause de ta peau est sensible, ben là, celui-là, il est parfait pour ça. Donc, le masque gel pour les yeux. Ça, c'est un masque que tout le monde m'avait dit d'essayer. Là. Dans le fond, c'est pour les cernes, pour les yeux enflés. Tu sais, quand tu pleures le soir, puis le lendemain, tu as les poches en dessous des yeux. Ça m'arrive souvent. Fait que je vais utiliser ça. Dans le fond, c'est juste que tu prends une petite spatule comme ça. Là. Puis là, tu enlèves le petit cup de même. Puis là, c'est genre des patchs de yeux, OK? Puis là, tu vas venir te mettre en dessous de tes yeux, là, quand tu as les yeux cernés ou enflés ou peu importe. Puis dans le fond, ce que ça va venir faire, ça va éclaircir tes cernes, ça va enlever ce qui est enflé, puis ben, en fait, tu n'auras plus l'air d'avoir des cernes. Là. Puis en plus, si tu le mets au frigidaire, là, ça a été conseillé plus. Là. Si tu le mets au frigidaire, mettons, puis le matin, tu le mets dans tes yeux, mais en plus, tu as un effet comme rafraîchissant, puis ça peut encore plus aider. Parce que, tu sais, des fois, quand tu as les yeux pochés, là, le monde, ils disent, ben, tu sais, mets-toi une serviette d'eau froide à ses yeux, puis tout, ben, tu sais, là, en plus que ça éclaircit tes cernes, puis tout, ben, tu sais, c'est froid, fait que ça fait un peu cet effet-là en même temps. Puis, c'est ça, il y a des petits fruits là-dedans. Puis, tu sais, je vous parle pas tant des ingrédients parce qu'ils sont écrits là-dessus, là, mais, tu sais, tous les effets que ça fait, c'est à cause un peu de ces ingrédients-là. Fait que c'est tout des trucs botaniques, là. Tu sais, c'est rien de, mettons, une graisse de baleine ou je sais pas trop c'est quoi les autres produits ils ont, là, mais c'est toutes des affaires genre de plantes puis de fruits. Puis, fait que c'est ça qui est nice. Fait que c'est ça. Après ça, celui-là. Le nom me fait peur, là, le nom du produit, traitement intensif pour l'acné. Mais dans le fond, c'est juste là, tu as un petit bouton, mettons, sur le nez ou sur le menton, mais là, tu mets ça, puis ça va l'aider à disparaître plus rapidement. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement pour quelqu'un qui a la grosse acné d'en face, là. Ça peut faire aussi, là, tu sais, mais c'est juste, mettons que tu as un petit bouton, mais tu sais, ça va aider à disparaître, puis, tu sais, avec les masques, on a tout un petit peu plus de boutons qu'avant, là. Fait que. Moi, je l'ai pris, puis justement, je l'ai mis cette semaine, puis mes boutons sont comme partis plus rapidement, fait que ça marche plus. Puis, tu sais, c'est pas... comme moi, j'avais déjà essayé d'autres crèmes qu'ils étaient vraiment fortes pour un bouton, puis ça m'avait fait comme toutes des plaques rouges ou ce que j'en mettais à cause que c'était trop fort pour ma peau. Puis là, lui, ça fait rien partout, là, tu sais, je veux dire, ça, j'avais peur que ça fasse ça aussi, mais c'est full doux, puis... ça n'a pas fait ça, ça n'a pas fait d'irritation ou rien. Fait que je le recommande aussi pour les peaux sensibles. Donc, le masque. On aime tout ça se faire des masques, là. Genre, ben, on n'a pas tant le temps, mais quand on a le temps, c'est le fun. Puis, tu sais, un petit vendredi soir, film, masque, là. Puis celui-là, il est détoxifiant. Donc, un peu comme les autres produits que je parlais tantôt, là, tu as vraiment l'impression que ta peau est comme propre, fraîche. Puis quand tu l'enlèves, c'est comme, on dirait qu'elle respire ta peau, là, parce que ça l'enlève toutes les saletés. Fait que c'est un masque qui sèche, là. Tu sais, tu le mets dans ta peau, puis il va comme sécher, là. Fait que, tu sais, si tu bouges, il craque. Là. Je sais pas si tu comprends. Des fois, il y a des masques qui ne sèchent pas, mais lui, il sèche. Puis, c'est ça. Fait que ça rend la peau un petit peu plus éclatante, puis tout. Fait que c'est ça. Après ça, l'auto-bronzant. Okay? Moi, j'ai jamais utilisé d'auto-bronzant de ma vie, à part j'en avais essayé un chez Nuda pour mon bal. Là, t'sais. Mais lui, c'est ça. C'est Arbonne qui le fait.
Puis, premièrement, j'étais surpris que la bouteille soit grosse de même. Je pensais que ça allait être une petite affaire. Mais c'est ça. Puis, c'est comme vraiment naturel comme effet. Là. Comme là, hier, là, je l'ai essayé, puis ça paraît pas tant. Tu sais, je veux dire, ça fait pas « wow, j'arrive d'Hawaï en une soirée ». Tu sais, ça fait pas trop différent. Fait que c'est le fun parce que, mettons, c'est pas une application que... Tu sais, tout le monde va être genre « wesh, man, tu t'es mis de l'auto-bronzant », tu sais, tu peux y aller graduellement, puis plus que t'en mets, ben plus que ton teint il est foncé, là, tu sais. Puis ça sèche rapidement, puis ça laisse pas comme des taches, mettons, que tu le mets pas trop uniformément. Oui, Caroline? C'est comment que ça s'applique, hein? Ben, dans le fond, moi, ce que j'ai fait, j'ai mis celui-là avant, là, le gommage pour... T'sais, tout enlever avant, puis être sûr qu'il n'y ait pas de peau morte. Puis après, je l'ai mélangé, j'ai comme mis cette crème-là, ma crème à face dans ma main, puis j'ai mis un petit peu de ça, puis je l'ai étendu comme si je me mettais ma crème de face normalement. C'est vraiment pas compliqué, puis ça fait naturel, parce que t'sais, normalement, tu essaies d'en mettre un peu partout ta crème à visage, fait que ça, tu fais la même chose. Puis comme je disais, t'sais, mettons que tu oublies un spot, tu n'as pas à faire comme les autres autobronzants, qu'il faut que tu en mettes vraiment partout, sinon ça va paraître, puis tout, là. Tu l'étends comme, tu essaies le plus uniformément possible, mais ça fera pas genre une démarcation, genre, là, t'en as pas mis, fait que ça paraît full, tu sais. Est-ce que c'est juste pour la face ou c'est tout le corps? Tu peux le mettre tout le corps. C'est okay. Juste, moi, je l'avais mis juste sur mon visage parce que, anyway, je suis tout le temps habillée en long, là, quasiment, là. Mais je l'ai pas essayé tout le corps, mais je sais qu'il y en a qui le font. Puis, tu sais, il n'y a pas de contre-indication. C'est juste, faut que... Moi, je conseille de bien, tu sais, comme tout exfolier avant, là, pour enlever toutes les peaux mortes, puis après ça, tu le mets, puis ça fait vraiment, vraiment naturel, pour vrai, là. Puis, c'est quoi je voulais dire? Ah oui, dans le fond, tu le mets, puis comme le maximum avant qu'il atteigne comme son maximum de teint, ou je sais pas, là, tu sais, c'est en 2 heures, fait que, tu sais... Des fois, il y en a que ça prend comme une journée avant que tu ailles le résultat final de la couleur que tu as appliquée, mettons, là. Mais celui-là, c'est vraiment rapide. Fait que tu n'es pas obligé de le faire comme 2 jours avant une occasion spéciale. Ou si c'est juste dans la vie de tous les jours, tu le mets le matin et puis rendu à l'école, tu es bien bronzé. Fait que c'est ça. Je pense que j'ai fini après. Ouais. Fait que c'était pas mal ça. Ce que je voulais vous parler, je ne sais pas si vous aviez des questions sur ce que je vous avais dit. Mais. Moi, j'ai une question. Vas-y. Le truc que tu as présenté comme après les fizz, là, que tu as dit c'était un peu pour la concentration. Là. Santé cognitive? Oui, ça coûte. Tu en as combien dans une boîte puis ça coûte combien? C'est le même prix que les fizz puis c'est le okay. Même. C'est le même. C'est toutes des boîtes de 30. Dans le fond, c'est tout pour que tout te dure un mois, mettons. Fait que, mettons que tu déciderais, comme, mettons, pour faire le shake que je m'ai fait aujourd'hui, là, ben, le jus, ou je sais pas trop comment l'appeler, là. Mettons ces 3 affaires-là, là. Ben, tu sais, t'as toutes 30 jours. Fait que, t'as tout le même nombre, puis c'est ça qui est le fun, parce que tout dure le même nombre de temps, mais. C'est comme des fois, tu en prends 2 fois par jour, fait que ça dure un peu moins longtemps, mais c'est pas grave. Mais ouais. Caro, ta main levée, c'était tantôt. Fait que mais moi, j'aurais fini. Je sais pas si vous aviez pas de questions, dans le fond. Non. C'est très intéressant. Ça donne le goût de penser. La boîte là, de fizz, il y en a combien les petits sachets dedans? 30. 30? OK, c'est bon. Puis dans le fond, je ne l'ai pas dit, là, mais tu peux le mettre dans la quantité d'eau que tu veux, les fizz, puis toutes les autres boîtes de bâtonnets. Là. Dans le fond, moi, je l'ai mis dans une... Elle a 1 litre d'eau, cette bouteille-là. C'est quand même beaucoup. Là. Puis j'ai mis un des chaque que je vous ai dit tantôt, mais comme des fois, là, je le prends juste dans un petit verre d'eau... C'est vraiment, c'est plus que tu mets d'eau, plus que c'est dilué, mais en fait, c'est à ton goût, à toi, là, mais ouais. Fait que c'est ça, je vais vous envoyer mon site si vous voulez aller voir de quoi je vous ai parlé, puis je vais mettre ce PowerPoint-là sur la page Facebook. Fait que si vous avez comme
vous étiez genre pendant la présentation, « Ah oui, j'aimerais full avoir ça », mais vous n'en souvenez plus, mais vous allez pouvoir aller voir. Puis si vous avez des questions après que vous pensez pendant la soirée, ben n'hésitez pas. Merci d'être venu. Bye. Merci. Bye. Merci. Bye.